Coucou tout le monde. Bon, bah, je tenais à vous remercier les filles pour vos messages encourageants. Ça fait chaud au cœur. Voilà. J'en ai un peu marre de rester immobile, les jambes allongées. J'ai enlevé mon attelle. Parce que comme il fait chaud, ça a tendance à gonfler. Et ça gonfle qu'à un endroit. Au-dessus du pied vers les orteils. Alors je laisse un peu la circulation se faire. Voilà. Et en attendant mon fils avec les restos du cœur. Voilà, voilà. Encore heureusement que j'ai ça pour subvenir à mes besoins parce que j'ai l'APL qui a été retirée. Ça fait un moment de ça. En attendant, bah, je paye le loyer plein pot. Voilà. Ça fait la moitié de ce que je touche. C'est pas mal. J'ai ouvert la fenêtre, j'en pouvais plus. Pareil qu'il fait 20 et j'ai encore 25,8. Alors, il n'y a pas beaucoup de vent. Malheureusement. Vous avez vu? J'ai fait mon lit quand même. Hein. Non, mais je tiens à le faire tous les jours. C'est systématique, je le fais. D'ailleurs, c'est bien l'une des seules choses que je peux faire, à part accrocher le linge, si c'est vers le sac sur le canapé, quoi. Donc voilà. J'ai pas encore joué avec mes petites empreintes. Mais j'ai encore joué avec rien. Voilà. Si j'ai utilisé mes classeurs d'embossage, c'est tout. Alors, pour un plioir, c'est un plioir. Hein, on peut le tenir comme ça. C'est on en bas, on en bas. Non, bah, tant pis. Et l'autre, je ne sais pas s'il est assez fin pour faire des plis. Enfin bon, ça me servira bien. Donc en attendant, je les mets dans une bobotte. Une petite bobotte. Ça me gêne. On va mettre de l'autre côté. Voilà. Bah, c'est mieux comme ça. Question d'organisation. Alors, mon t-shirt est taché. Oh, ça fait du bien de ne pas avoir la telle, si vous saviez. Foulure du pied, ouais, mais qui va se passer vite avec moi. Hein. Oh, ça va bien. Je vais mettre pour marcher. Et pas quand je suis à la maison. Et ça fait quoi? Ça fait une semaine. Une semaine à rester le pied dans une attelle, que ce soit pour la cheville ou pour le pied. Là, ah bah oui, bah si je me laisse aller non plus. Non, là, faut pas pousser, là. C'est...
Oui, il est taché. Il est tout taché. Me fait bon. Il y en a qui vont dire oui, mais voilà, on voit des points de son anatomie. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Je peux pas mettre de brassière. Bon, d'accord. Demain, je mettrai un soutien-gorge qui s'attache devant. Oui, avec fermeture éclair. J'en ai que 4, hein, donc je peux pas faire un roulement. Hein, faut que je porte 2 jours. Hein. Donc voilà, il faut que ça soit lavé tout de suite. Ah, c'est pas lol. Mais je fais ce que je peux, je viens de récupérer mes affaires. Que ce soit vêtements, hygiène et scrap. J'ai pas encore récupéré mes animaux, mais ça va venir. Donc voilà. Au moins maintenant, je suis sûre que plus personne ne me cassera quelque chose. Bon, et est-ce que ça a tenu ça? Oui, ça a collé. Bon, il y a de la glycérine qui coule. Eh ben, c'est bien pour mes mains, ça. C'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Bon, quelle heure il est? 2h30. Il passe à 3h. Voilà. Oh, il y a des mouches qui rentrent. Donc je vais pouvoir ranger ça. Je me servais. Bon, brosser les cheveux. Comme j'ai récupéré ma brosse à cheveux, j'ai récupéré toutes mes affaires, sauf les tables. Le bureau, donc, qui est maintenant deux tables, puisqu'il m'a cassé l'angle. Voilà. Les fiches de camp. Mais une 9 minutes. Mon gros orteil va mieux. Le bleu est parti grâce au baume asiatique. Alors ça, c'est super. Hein. Pour les bleus, nickel. Je vais en remettre ce soir. Mais au bout d'une semaine, il n'y a pratiquement plus rien.
Mais bon, c'est contraignant. Et je peux plier les orteils. C'est que ça va déjà mieux. Mais bon, je préfère sécuriser la chose. C'est quand même mieux. Ouais, du coup, c'est pas grand-chose, non? Ça, c'est un avion. Bon, allez, je vous laisse là. Je vous dis à plus.